Cette guerre est terminée. Les morts ont été taillés en pièces
et les survivants étaient ravis de pouvoir remonter sur leur vaisseau et regagner l'Afrique, d'où ils ne seront pas tentés de revenir. Don Pedro, notre illustre général, arrive aujourd'hui même. Oh mon père, quel bonheur! Et Claudio le suit sans doute. Assurément. Claudio n'est-il pas le bras droit du général? Veuillez me dire, je vous prie, si le seigneur Matamor est de retour ou non de la guerre. Je ne connais dans l'armée personne de ce nom. Ma cousine veut parler du seigneur Bénédicte de Padoue. Oh, il est de retour. Il est plus agréable que jamais, hein. C'est encore un vaillant. Vaillant auprès d'une dame, mais qu'est-il en face d'un guerrier? Brave devant un brave et homme en face d'un homme. Lui aussi a dans cette guerre rendu d'importants services. Veuillez ne pas mal juger de ma nièce. Il y a entre elle et le seigneur Bénédicte une guerre d'épigrammes. Et ils ne se rencontrent jamais qu'ils ne s'engagent entre eux une escarmouche d'esprit. Hélas, il a perdu beaucoup de son esprit dans notre dernière rencontre. Aurez-vous bientôt fini de nous chanter gloire et victoire, guerriers et lauriers? Quelle rime! Voilà les suites de la guerre. Je me sauve. Ne l'écoutez pas, mes amis. Continuez. Je suis heureuse, moi, de vous entendre et de partager votre joie. Thank you.
Félicitations. La Sicile est délivrée par vous. Notre île entière tressaille de joie et de reconnaissance. Épargnez-moi, mon cher gouverneur. Je n'aime pas entendre parler de ce que j'ai fait. Grâce à Dieu et à la valeur de ces jeunes braves, l'ennemi a pris la fuite après des pertes énormes. J'en suis heureux autant que vous, mais n'en parlons plus. Nous avons, si je ne me trompe, un sujet plus doux d'entretien. C'est demain, n'est-ce pas ? Cher héros. Cher Claudio. Mais pourtant, ce que nous avons fait n'est pas trop mal. 5 000 morts,
restés sur le champ de bataille. Oh, sans doute les héros de l'Iliade, Alexandre et César ne sont rien auprès de vous. Et ce serait pitié de parler le même jour de leurs exploits et des vôtres. Quoi, Seigneura Dédain ? Vous vivez encore ? Comment le Dédain pourrait-il mourir ? Vous êtes vivant. Comment le Dédain pourrait-il mourir ? Vous êtes vivant. Aimable d'état, où les trouver? Dans du livre, où les trouver? Dans du livre, tout. Aimable d'état, que ne suis-je maître de suivre vos pas? Si pas qui s'y va, vous daignerez paraître. Pour charmer vos yeux, qui vous voudrait aller aux cieux? Qui donc voudrait aller aux cieux? J'ai pitié de votre ironie. Moi, railler, celle que je le nie. Franchement, non, vous avez raison. Je suis insensible, d'humeur inflexible. Et c'est un vrai honneur pour nous. Pardonnez de toutes les femmes, enflammant malgré moi ton âme. Je ne sois point aimé de vous. N'ayez à ce sujet aucune inquiétude. Je suis insensible. Et c'est un vrai bonheur pour nous. Adorer de toutes les femmes, enflammant malgré moi ton âme. Je ne sois point aimé de vous. N'ayez à ce sujet aucune inquiétude. À vous les plaire à tout, je ferai mon étude. J'aurai trop de chagrin à vous désespérer. Vous pouvez sortir. Dieu du ciel, faites-moi la grâce.
Quelle menace! De vous inviter à une fête qu'il donnera ce soir dans son palais et dont un de vos amis sera le héros. Vous y viendrez aussi, Claudio. Devinez-vous quel peut être cet ami de Bénédicte ? Mon général, je ne sais. Je n'ose croire. En effet, ce Claudio qui sera dès demain l'heureux mari de sa belle fiancée. Ce petit ? Oui. Et dans l'espoir de cette réunion, instruit d'ailleurs dès longtemps de votre belle conduite à l'armée, il avait tout préparé pour cette cérémonie. Ah, ce soir donc, l'exemple ne vous tente-t-il pas, Bénédicte ? Moi ? Ma mariée, Dieu me pardonne. Ah, j'aime mieux dans un couvent, moi j'aime sous le froid tristement. Et que l'univers, m'abandonne, et que l'univers m'abandonne. Quelle fleur, Dieu vous pardonne. Ma conclusion, c'est
que je veux mourir d'amour. Convienne à cet étourdi, c'est Béatrice. Comme aussi, le seul homme qui convienne à cette folle, c'est Bénédicte. Eh bien, laissez-moi faire, et si votre aimable fiancé veut bien me venir en aide, nous parviendrons à réaliser le projet de cet invraisemblable mariage, et nous verrons, avant qu'il soit peu, Bénédicte, l'homme marié. Ah. Alors, chacun de vous doit maintenant savoir sa partie, ou il ne la saura jamais. Voyons l'ensemble.
C'est un bel ouvrage et que j'ai mis plus de 8 jours à composer. Allez, placez-vous ici. Ici, là, là, en me regardant. Bon, il me tourne le dos. Malheureux! Mais comment verrez-vous la mesure? Il faudra donc que je vous la batte sur la tête ou sur les épaules? Alors, donne-moi ton là. Hein? Et toi? Oh, misérable! Mais veux-tu bien t'accorder tout de suite? Il y a de quoi déchirer les ans et l'âne. Voilà comment vous avez osé l'autre soir exécuter ma sérénade? Vous avez juré de m'assassiner! Mesdames et messieurs, le morceau que vous allez avoir l'honneur d'exécuter est un chef-d'œuvre. Commençons. Thank you.
voulez-vous ? Jamais cru qu'elle pût se prendre d'affection pour un homme. Ni moi, mais le merveilleux de l'affaire, c'est de voir Béatrice aimer Bénédicte, l'homme qu'elle paraissait abhorrer le plus. Serait-il possible ? Et le vent soufflerait-il dans cette direction ? Je vous avoue, général, que je ne sais qu'en penser. Mais vous ne pouvez concevoir jusqu'où va la violence de son amour pour lui. C'est peut-être une feinte. Je serais porté à le croire. Une feinte, dites-vous ? Alors, il faut convenir que jamais passion feinte ne contrefie à ce point l'énergie d'une passion véritable. Si elle s'obstine à cacher ses sentiments à Bénédicte, il serait convenable que quelque autre se chargeât de l'en instruire. Ce n'est pas une plaisanterie. Leur conversation est sérieuse. Ils plaignent Béatrice. Il paraît que sa passion est à son comble. Elle-même. Je dois la payer de retour. Ah, je vais l'aimer. Mon Dieu l'avance. À son bel orgueil, je sens qu'il me dose. Je vais l'admirer, je vais l'adorer. Je vais l'admirer, je vais l'adorer. L'aimer, l'adorer. Son esprit si fort, son charme divin, tout séduit en elle et sa lèvre belle a baisé son bras. Ah, je vais l'aimer, mon verbe l'annonce, à son bel orgueil je sens qu'il je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, aimer l'adorer, aimer l'adorer, chère Béatrice, si elle me souvenait, elle me mettait aux joies, aux supplices. Pareil bonheur est-il pour mon cœur, si c'était un songe, un cruel mensonge, au réveil, au funeral. Non, 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 je vais l'aimer. À son bel orgueil, je sens qu'il me douce. Je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'aimer, l'adorer.
En extase les mariés, la nuit qui doit s'envoler, qui doit s'exhaler comme un parfum d'harmonie vers leur chambre nuptiale.
de notre île. De notre île de Sicile, vive ce fameux vin si fin. Dans l'esprit du rôle que mon père a voulu me faire jouer. C'était si plaisant de savoir ma cousine aux écoutes dans la chambre voisine de la mienne, pendant que nous faisions l'éloge de Bénédicte et que nous parlions de son violent amour pour elle. Amour qu'il est si loin d'éprouver et qu'il n'éprouvera jamais. Non, certes. Pas plus qu'elle n'aimera Bénédicte. Ces deux êtres sont incapables d'un tendre sentiment et surtout d'un tendre sentiment l'un pour l'autre. Oh, j'ai peine à croire que cette ruse ait chance de succès. Je ne le crois guère non plus. C'est pourquoi il ne faut pas pousser trop loin cette plaisanterie. Béatrice nous en voudrait à la mort si elle se doutait que nous avons voulu nous moquer d'elle. Thank you.
Je t'aime.
Béatrice. Quelle agitation! Je ne te vis jamais ainsi. Moi? Rien. Allons, tu auras vu Bénédicte, je gage. Tu ne peux le rencontrer sans te laisser aller à des accès de colère qui, pardonne à ma franchise, semblent peu dignes de toi. Et qu'il est si loin de mériter. Ursula a raison. Le caractère de Bénédicte est bien changé. Il ne parle maintenant de toi qu'avec des expressions qui t'étonneraient fort. Mais tu le hais à un point. Assez, cousine. C'est pourtant un brave et charmant gentilhomme. Plus à plaindre qu'à blâmer. Si vous continuez, je vous quitte. Allons, taisons-nous. Mais je te voudrais voir devenir plus humaine. Je suis si heureuse. Retour, gratendre, retour, il est
l'habitude, spectre à l'œil éteint, où l'ennui se bat, avait trop souvent d'égos et lassitude, et tardif remords. Et bientôt après, c'est la jalousie, ce monstre de fer, fourmi des enfers, qui vient empoisonner l'innocente vie par la flotte de sport. Ah, si Claudio sied à tes otages, pour moi se refroidir. Je mourrai de rage. Pour les nôtres me fuir, je perdrai la raison. Vite par les compères, oh,
valet, du vin, Barbacus. Je veux bien vous improviser quelque chose, mais ils m'accompagneront, eux, mes amis, avec tous leurs instruments favoris de Mars et de Bacchus. Cet acte est en bonne forme. Il n'y manque plus que les signatures. Approchez, Claudio. À vous, charmante héros. À nous maintenant, à nous les joyeux témoins. Voici le second contrat. Où sont les fiancés? Le second? Qui, encore, se marie donc ici? J'ai été mandaté pour un deuxième contrat. Ah, ça, il faut pourtant trouver les fiancés. Qui se sentirait ici la fantaisie de se marier?
M'aimez-vous ? Non, pas plus que de raison. Il faut alors que votre oncle, le général et Claudio, aient été induits en erreur, car ils m'ont juré que vous m'aimiez. M'aimez-vous ? Non ! Pas plus que de raison. Il faut alors que ma cousine et Ursule se soient étrangement trompées, car elles m'ont juré que vous m'aimiez. Ils m'ont juré que vous m'aimiez en perdre la tête. Elles juraient que vous m'aimiez à mourir. Il n'en était rien. Vous ne m'aimez donc pas? Donc, vraiment, je ne vous aime que d'amitié. Allons, 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 ma nièce. J'ai la certitude que vous l'aimez. Et moi, je fais le serment qu'il est amoureux d'elle. En voici la preuve. Je l'ai trouvé tout à l'heure sur un banc du jardin. C'est le commencement d'un sonnet destiné à Béatrice. Et en voici une autre, tombée ce matin de la poche de ma cousine. Elle contient des réflexions sur Bénédicte qui prouvent qu'elle était au moins fort préoccupée de cet homme. Alors je veux bien que vous soyez ma femme, mais je vous jure que si je vous prends, c'est par compassion. Je ne veux pas vous refuser, mais je vous jure que c'est bien malgré moi. Demain, 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 demain
Tout celui qu'on aide et sa lame.